Comment devient-on soldat des forces terrestres aujourd'hui? Jusqu'en 2010, chaque jeune recrue suivait la formation dans le régiment pour lequel il s'était engagé. C'est terminé. Désormais, c'est au niveau de la brigade que ça se déroule. La formation est unifiée et chaque jeune soldat ressort au bout de 12 semaines avec le titre de soldat des forces terrestres. La formation a donc lieu dans un CEFIM, un centre de formation initiale militaire. Et aujourd'hui, à Lille, les chefs des CEFIM se sont retrouvés pour faire le point au bout d'une année de fonctionnement. C'est parti, présentation. Diminuer le taux d'attrition, fidéliser, faire des 12 000 jeunes recrues par an, des soldats des forces terrestres, prêts à l'engagement, tels sont les principaux objectifs de la formation en CEFIM, Centre de Formation Initiale des Militaires du Rang. Au bout d'un an de fonctionnement, le résultat est là, tangible, chiffré. Le monsieur CEFIM du Commandement des Forces Terrestres nous en dit un peu plus. Les CEFIM sont une affaire qui marche. On a les résultats. Et donc les résultats déjà, c'est moins de dénonciations de contrats, si vous voulez. On remarque que l'attrition, que la dénonciation des contrats a diminué du plus de la moitié. En 2009, le chef d'état-major de l'armée de terre a pris le taureau par les cornes pour stopper les départs des jeunes engagés, pour uniformiser la formation et développer l'esprit interarmes indispensable aux missions actuelles de notre armée. Les régiments ont tendance un peu naturellement à accorder à la vie de tous les jours plus d'importance qu'à la formation de leurs jeunes. Ce n'est plus acceptable. Le brigadier sera finalement celui qui tiendra dans sa main la formation de ses soldats depuis le premier jour jusqu'à la responsabilité ultime de l'engagement sur le théâtre d'opération. Homogénéiser, pourquoi ? Parce qu'actuellement, les engagements de l'armée de terre, tels que ceux que nous connaissons, en Afghanistan notamment, nécessitent que tous les soldats reçoivent une formation commune de base sur les fondamentaux. Le commandement des forces terrestres a pris le dossier à bras-le-corps. Chaque brigade s'est vue confier la responsabilité de la formation des engagés. 10 centres ont été créés en juillet 2010, 2 autres un an plus tard. Seule la brigade des forces spéciales n'en possède pas. Nous avons demandé au chef de CEFIM et au cadre ce qu'ils pensaient de leur mission. Il y a des choses qu'on fait tout naturellement, comme l'ACC Rangers, enfiler un treillis, marcher au pas, ce sont des choses qui sont tellement évidentes pour nous qui avons quelques années d'ancienneté qu'on a l'impression qu'elles sont innées, mais en fait elles ne le sont pas. Et donc tout s'apprend. Et le jeune qui a le courage de pousser la porte d'un régiment pour s'engager, il faut partir du principe que lui, toutes ces choses-là, ne les connaît pas, et il va falloir lui expliquer. La FGI, ça représente souvent une cassure avec le monde civil. C'est quelque chose qui va placer la jeune recrue en position de faiblesse. Lorsqu'il va arriver ici, il va se sentir un petit peu déboussolé. Et justement, le but de l'encadrement, c'est de cerner ça, et de lui faire dire qu'il a fait le bon choix. Pour mettre toutes les chances de notre côté, les programmes de formation ont été remodelés pour que le jeune engagé apprenne petit à petit à devenir un soldat. Progressivité, programme unique et équipe de choc pour assurer les 12 semaines de formation générale initiale sont les clés du succès. On ne met pas n'importe qui, on met des gens qui ont une expérience pédagogique valable. On peut être un bon soldat, mais être un piètre pédagogue, donc le plus dur à rechercher. Et si l'on veut la qualité, il faut un encadrement digne de ce nom. Ces équipes sont composées d'abord de cadres permanents des CEFIM, qualifiés en tir, en secourisme, en sport, et de cadres tournants, choisis, sélectionnés par les régiments et la brigade. Le général commandant le service de maintenance industrielle terrestre nous détaille le mode de sélection pour son CEFIM. La première étape, c'est une étape qui est une étape sur dossier, qui est chaque candidat est présenté par son chef de corps. La deuxième étape, elle se fait ici. Et elle se fait ici, dans un cadre bien particulier, où on va les interroger sur leurs aptitudes. Et puis il y a une troisième étape, qui est une étape, je dirais, où là, il n'y a pas d'élimination en général. C'est une étape où on juge de la pédagogie. Après les sélections, vient le temps de la mise à niveau des cadres. Le major Jahan, du CEFIM du camp des Garrigues, les accueille plusieurs fois avant l'arrivée des jeunes recrues pour les initier aux nouvelles pédagogies et les tester sur leur manière d'instruire. Je vais aussi sur leur activité pratique pour pouvoir après voir aussi la partie commandement, parce que la partie pédago c'est une chose, mais la pédago sans le comportement et sans le commandement, ça ne serait pas suffisant. Donc je vois aussi leur comportement sur le terrain, comment ils commandent et comment ils procèdent.
Et s'il y a des petits écarts, des petites dérives, je leur fais savoir de manière qu'ils se corrigent, de manière à bien passer et que les jeunes soient fiers d'être éduqués par des cadres compétents, dynamiques et motivés. Pour améliorer encore le système de formation des militaires du rang, une nouvelle directive est en place depuis cet été. Elle vise la transformation des formations de spécialité dispensées après la formation reçue au CEFIM. Et puis, rien de tel qu'un modèle pour s'identifier. Alors les militaires du rang auront droit, comme les sous-officiers et les officiers, à leur baptême de promotion dès l'an prochain. Nous sommes au village de combat du camp des Garrigues. C'est ici que pendant 3 mois, les jeunes recrues du 8e régiment du matériel ont suivi une formation au centre de formation initiale des militaires du rang. Nous avons suivi la section du lieutenant Self pendant toute cette période. C'est parti, mission. Le 10 mai 2011, au CEFIM du camp des Garrigues, le maréchal des logis-chefs Frédéric Collin, arrivé en précurseur, accueille son chef de section, le lieutenant Audrey Selve, et les 39 nouvelles recrues du 8e régiment du matériel de Mourmelon. Les engagés volontaires et les 10 cadres du 8e Hermat vont former la 5e section du CEFIM. C'est le début de 12 semaines de stage intensif. Dans un premier temps, comme ils arrivent du monde civil, ils sont un petit peu... pas perdu, mais ils recherchent un peu des points de repère. Ils en manquent un petit peu, puis ils se retrouvent plusieurs par chambre. Donc le temps que ça se mette en place, il y a un petit temps d'adaptation. Objectif du lieutenant Selve, que ses engagés deviennent des soldats. Elle ne sera pas toute seule pour ce challenge. Les cadres permanents du CEFIM seront là pour l'épauler. Nous avons eu auparavant une semaine donc, d'intégration au régiment. Lors de cette semaine, nous avons fait toutes les dispositions donc, administratives et tout ce qui est perception de paquetage. C'est bon pour tout le monde ? Allez. Dépêchez-vous. On commence par la découverte du centre de formation initiale. On retourne en classe pour une présentation générale de la défense. Et dès les premiers jours, les moniteurs de sport évaluent la condition physique des jeunes engagés. Le programme mis en place apportera progressivement aux jeunes résistance physique, force morale, rusticité et esprit collectif. Bref, les fondamentaux du soldat. On est un peu paumé sous l'eau quand ça fait longtemps qu'on n'a pas nagé. Puis avoir l'apnée, surtout pour aller chercher le mannequin. Surtout quand on sait pas où il est. C'est l'échauffement, ils font des tractions. Ils vont avoir des bras, hein, pour crapahuter. Dès qu'on implique des jeux, la cohésion se met automatiquement. Ils sont pris. Et c'est très important. Ça va les ressouder à tous les niveaux. Le rugby est un sport de combat collectif. Donc le rugby va développer la rusticité, l'envie de se dépasser, va enlever quelques notions d'appréhension sur différents types de chutes. Au-delà de la cohésion collective que ça représente, on essaye vraiment de leur montrer que ben, dans la section, on a aussi besoin de tout le monde. Donc c'est un petit peu cette transposition-là qui est intéressante. Autant vous pouvez être pas très bon en sport et si vous êtes quelqu'un de correct, à bon mental, vous vous ferez aider par vos camarades. C'est là aussi qu'on peut reparler de cohésion. Autant si vous avez le moral dans les chaussettes, la cohésion ne sera pas. Dès le début de la formation, les jeunes doivent accepter discipline, ordre et obéissance. Ces valeurs sont le socle de l'esprit militaire. Il faut dès le départ les encadrer correctement, leur expliquer qu'on est une institution. À partir du moment où tout le monde a compris que chacun est à sa place, quel emploi il occupe et qu'il respecte, après tout se passe pour le mieux. La partie visible de ces valeurs est bien l'ordre serré. La tenue doit être irréprochable, le pas cadencé, la tête haute, la voix claire. La section a un chant, la compagnie a un chant, donc le fait de chanter tous en chœur suscite la cohésion. Un peu d'air du pays au fond du cœur. Dans la jambe, passage en barrage. C'est parti pour le gros de la formation. Les jeunes ont 7 semaines pour se familiariser aux exigences techniques et physiques du métier de soldat. Tout de suite, ils sont mis à l'épreuve sur le parcours d'obstacles. Le parcours d'obstacles, c'est sur le terrain. On est amené à rencontrer tout un tas d'obstacles, justement, différents et variés. Et sur le parcours, on a tout ce qu'il faut, c'est complet. Pour moi, le plus dur, ce serait plutôt le ramper. Il faut bien mettre le bras d'avant, mais j'ai tendance à mettre que la main. Parmi les fondamentaux du métier de soldat, il y a le maniement des armes à feu. Certains ont quelques appréhensions et c'est bien naturel.
pouvoir essayer dedans et ça fera des incidents de tir. On apprend à monter et démonter le fusil militaire d'assaut tout en se familiarisant aux règles basiques de sécurité. Une arme, ce n'est pas anodin. Incident de tir pour tout le monde ! Incident de tir ! Les soldats ne se déplacent pas comme tout le monde. Entre le pas canard, le déplacement en tiroir et en triangle, toutes les postures et le vocabulaire qui va avec, il y a du boulot. Tout cela pour aboutir à la maîtrise d'une des missions phares de l'armée de terre, la patrouille. Voilà, on va tester leur réactivité, leur prise de posture contact et puis de riposter, de détruire l'ennemi. Contact ! Faut essayer de rester zen et faire ce qu'on nous demande. Allier stratégie, précision et compte rendu envers nos supérieurs. Vous savez ce que vous avez à faire. Étape de plus pour se rapprocher des combats d'aujourd'hui, la patrouille en zone urbaine. L'espace plus restreint accentue les risques de tirer sur un camarade, même avec des balles à blanc. Il y a un stress supplémentaire. On les engage tout le temps à respecter les règles ISTC, donc de combat de tir, hein, pour qu'il n'y ait pas d'accident, quoi. Répétez toujours les mêmes gestes en ayant conscience de les effectuer. Chaque semaine, les futurs soldats vont sur le pas de tir. Ils revoient les postures de tir de combat, effectuent les mesures de sécurité et s'approprient leur arme. Troisième ennemi qui est apparu. Est-ce qu'il y a des questions? Non, chef. Rigueur, calme, précision, respiration maîtrisée sont la recette d'un tir réussi. Un acte essentiel de ce métier. Position d'attente. Donc les 10 personnels sont amenés à se déplacer et à tirer en même temps. Donc si un seul des personnels ne respecte pas les consignes de sécurité, il porte atteinte à son camarade ou au moniteur qui sont avec eux et ça peut être dangereux. Et troublant devant, c'est toi ça. Donc après, dès qu'ils ont réellement les vraies munitions, on va dire, ils sont un petit peu plus attentifs. Ils ont un petit coup d'adrénaline qui monte et on sent une petite différence positive dans l'ensemble puisqu'au final, les tirs sont plutôt réussis. Au combat, on peut être blessé ou perdre la vie. Être formé au premier secours est capital pour soi et pour ses camarades. C'est aussi un acte civique dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on leur donne accès au secourisme et donc à l'entraide, aux gestes de premier secours, ils se découvrent finalement dans la camaraderie, dans l'esprit d'équipe et d'entraide. L'obtention de cette compétence est nécessaire à l'obtention de leur formation générale initiale. Dernier virage avant le test final, la PAC, période d'aguerrissement au combat. On installe le campement pour une semaine de vie sur le terrain. Avec la fatigue, on va découvrir certaines personnalités, ceux qui s'énervent, ceux qui baissent les bras. Les activités sont denses, intenses. Dès le premier jour, mise en application des franchissements horizontaux sur le parcours naturel. La cohésion est palpable, on est presque à l'esprit de corps. Les instructeurs n'hésitent pas à responsabiliser les jeunes en les nommant chefs de groupe. Et ça marche. Ça me permet de les voir aussi individuellement, un peu ce qu'ils valent, parce que c'est pas toujours les valeurs physiques. Hein. Un petit peu voir comment ils commandent en situation, puis leur mettre un petit peu de stress, un petit peu de boost. Mon chef de groupe, c'est excellent. Ça motive encore plus. Il y a plus de motivation, on est tout le temps en tête, donc ça motive encore plus. Et comme on est plus motivé, donc on motive encore plus les camarades qui sont derrière. Super. Réveil sous la tente, toilette, et petit déjeuner en commun, suivi du rassemblement quotidien. Pour les soldats du lieutenant Selve, aujourd'hui, on prend de l'altitude. Séance d'escalade en falaise au programme, histoire de mettre en pratique les techniques d'assurage, une nouvelle façon de faire progresser la cohésion. Je suis arrivé. Ça leur fait découvrir qu'au niveau du dépassement de soi, si on arrive à canaliser son stress, etc., on peut réaliser des voies sans problème. C'est d'appréhender un peu cette peur du vide et surtout la confiance en son binôme qui sert d'assureur. Confier en quelque sorte, hein, ça vie à l'autre. Ouais. C'est comme ça qu'on peut partir en OPEX un peu plus serein. Autre temps fort de la PAC, la découverte de l'univers nucléaire, bactériologique et chimique, le NBC. Contre ces risques particuliers, il existe des tenues et des masques. Il n'y a rien de naturel à respirer avec ça. Cela peut même être stressant.
peuvent faire une crise derrière leur masque et ne rien dire. Donc là, c'est à nous de bien les observer. Ils vont passer dans un local où il y aura des ampoules de bromure de benzyle. Donc c'est un produit qui irrite un petit peu les yeux et la gorge. Donc eux, ça leur permet de savoir que l'ANPVP sert vraiment à quelque chose. Et ils voient tout de suite s'il est bien à leur taille. Tout ce que je leur donne comme cours, il faut vraiment qu'ils retiennent tout. Pour finir la semaine dans la joie et la bonne humeur, le lieutenant Audrey Selve et ses soldats affrontent les autres sections dans un challenge qui a plus pour objectif d'afficher l'esprit de groupe que d'être une véritable compétition. Une semaine de terrain permet à l'encadrement de contrôler et de commander en permanence ces jeunes EVI. Le niveau physique s'améliore, les soldats sont plus aguerris, plus volontaires aussi, l'état d'esprit est bon et le comportement également est en perpétuel progrès. Pas le droit à l'erreur pour les engagés du 8e Airmat. Déplacement, combat, tir, transmission, NBC, renseignement. Cette semaine, ils vont passer sous le crible des instructeurs et restituer tout ce qu'ils ont appris. Une journée avec pour enjeu l'obtention de l'attestation de formation initiale militaire qui donne aux jeunes le statut de soldat à part entière. On évalue les connaissances acquises durant les 3 mois, aussi bien en pratique qu'en théorie, donc l'aboutissement sanctionné par une note. Et bien sûr, du tir au programme. Les jeunes sont évalués sur leur comportement arme au poing, sur le respect des règles de sécurité, sur la précision et la vitesse de leur tir sur cible à 200, 100, 50 et 25 mètres dans différentes positions. Toute ma section obtient dès le premier test la qualification de tireur bravo. Les jeunes ont progressé, les résultats du test le prouvent, le drill a porté ses fruits. Et c'est avec le génie que s'achève la série de tests. Donc ils partent en patrouille, ils progressent. Il y a eu un ennemi qui a été vu il y a quelques temps, donc je suppose qu'il y a eu des mines déposées. Arrivé sur la mine, la réaction, donc ils s'arrêtent, ils crient mine. Ensuite, ils doivent se replier tout en sondant le chemin de repli avec leur baïonnette. On a appris beaucoup de choses, fatigué un peu, et on va se rejoindre au point de rendez-vous. Et on mange et ensuite on attaque la marche de 20 km à 8h. 20 km, je sais que toute la section y arrivera, ce sera de la cohésion. Et puis la marche, ça permet, c'est une réflexion intérieure sur son engagement. Ce 27 juillet, après 3 mois sur le camp des Garrigues, les engagés du 8e Airmat sont un peu fébriles. C'est ce matin qu'a lieu la cérémonie solennelle qui clôture leur formation générale initiale. La tenue est impeccable, le regard est fier, la tête haute. Le lieutenant Audrey Selve a rempli sa mission. Les meilleurs sont mis à l'honneur et tous sont désormais soldats de l'armée de terre et porteront l'insigne du matériel. Là, on va retourner à la maison en étant fiers envers nos parents, envers notre famille, comme quoi on est bien militaire, on a bien réussi tout ce qu'il fallait faire pour entrer dans un cadre militaire. On a progressé, tout le monde a progressé depuis le début et il faut continuer sur ces bases-là. Le plus rapidement possible, dès que je peux rentrer à l'école de sous-officier, je le ferai sans aucun problème. C'est les bonnes périodes avec les camarades et avec le frère d'armes et je garderai ce souvenir jusqu'au bout. Et les nouveaux soldats du 8e régiment du matériel sont prêts à rejoindre leur unité d'affectation à Mourmelon. Parmi les personnages clés du centre de formation initiale des militaires du rang, il y a le moniteur de tir. Nous avons rencontré l'adjudant-chef Daniel Devred, par ailleurs passionné de course à pied. Portrait. Bon pied, bon œil. Cette expression colle à la peau de l'adjudant-chef Daniel Devred, moniteur de tir de combat au centre de formation initiale des militaires du rang du camp des Garrigues. Lorsqu'il s'est engagé chez les paras il y a plus de 30 ans, Daniel Devred ignorait ses qualités de sportif.
c'est l'armée qui lui a ouvert les yeux sur la course à pied. Donc, je suis rentré en 1980 en première CP. Donc à ce moment-là, donc, en tant que quand on était avec les appelés, donc, on a fait comme tout jeune engagé maintenant avec le Cooper. J'ai fait 3850 au Cooper. Donc à ces conditions-là, j'ai été pris tout de suite au service des sports. Et là, depuis, je me suis lancé dans la course à pied. Depuis, il a avalé des kilomètres, défendu les couleurs de ses unités et remporté nombre de médailles. Aujourd'hui encore, il remporte tranquillement les crosses sur les plus jeunes. Il se pose toujours de nouveaux défis et accumule les compétitions. Ben, c'est une passion. La course à pied, c'est comme dans tous les états sportifs. Hein. Il y en a qui c'est la natation, il y en a c'est le VTT. Moi, la course à pied, ça me permet un relâchement intérieur et d'être plus zen. Donc, il me faut ma dose. Mais j'aime bien courir et puis ça me relâche intérieurement. Quoi. La rigueur, l'endurance, la combativité, la maîtrise de soi, ces valeurs de sportif accompli sont primordiales pour le moniteur de tir. S'y ajoute la qualité indispensable de bon pédagogue. Ben, j'aime bien former les jeunes au niveau du tir parce que j'aime bien inculquer mon savoir-être et puis mon savoir-faire au profit des jeunes. Et il faut leur montrer quand même au niveau du tir que c'est important et puis qu'ils doivent prendre une visée conforme correcte. Quoi. Et à ce moment-là, on est toujours en permanence derrière eux, on leur inculque tout ce qui est fondamentaux du tir, le savoir-faire et puis tout ce qui est les positions. Et on est toujours au contact d'eux et ils sont contents et on arrive quand même à les motiver pour qu'ils poursuivent dans ce domaine-là. Son adjoint à la cellule tir nous donne son avis. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, effectivement, quelqu'un d'humain, quelqu'un ouvert d'esprit, avec qui je m'entends très bien. Au niveau tir, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais maintenant. Je pense qu'il peut que nous tirer vers le haut, quoi, ça c'est certain. Quoi. On serait peut-être même plus déboulés, ça va être péjoratif pour lui. C'est voilà, quelqu'un d'endurant et très fort physiquement. Pour conserver sa forme, il privilégie une certaine hygiène de vie, qui n'empêche pas ce ch'ti de se faire plaisir de temps en temps. Bonne hygiène de vie, bon moi je me fais plaisir aussi, hein, donc j'aime bien boire mon petit pastis, ma petite bière, mon petit rouge comme tout le monde. Hein. Mais bon après je fais attention aux graisses et bon après c'est la façon comment on gère sa situation et sur le plan familial c'est pareil. Hein, mon épouse est à fond dans l'homéopathie, moi je me soigne en ostéopathie, acupuncture et puis etc. etc. Avec un tel instructeur, les jeunes ne peuvent que devenir de bons soldats. Voilà, c'est la fin de ce MacTer vidéo consacré au Centre de formation initiale des militaires du rang. À bientôt pour un nouveau MacTer.